Alors, les prochaines activités, bien entendu, c'est le temps de l'Avent qui va commencer en fin de semaine. En fin de semaine aussi, on annonce une nouveauté, c'est que vous savez, on a toujours un dimanche qui est pour le partage. Et on va annoncer en fin de semaine que si les gens le désirent, ceux qui vont venir à nos messes, apportez une denrée non périssable. Alors, ce sera possible. Nous allons installer la crèche et nous mettrons un récipient que les gens pourront mettre, déposer leurs denrées. Et le 13 décembre, nous remettrons ces denrées à la tablée 138, qui, eux, montreront leur panier de Noël pour les distribuer à ceux qui vraiment en ont besoin sur notre côte de Beaupré. Ça, c'est un premier événement. Le deuxième, c'est bien entendu la musique de Noël. La chorale de la basilique est reprise depuis septembre et nous préparons notre 26e année de concert de Noël. Celui-ci sera le 19 décembre à 15 h dans la chapelle de l'Immaculée. Ce qui est très, très, très important, on est dans un lieu de culte. J'ai eu la permission de transformer ce lieu de culte en salle de spectacle. Donc, j'aurai le droit à plus que 250, mais je devrai prendre à l'entrée le passeport vaccinal ainsi qu'une pièce d'identité. Les gens qui assisteront au concert, il n'y aura aucune distanciation de 1, 2 mètres. Par contre, ils devront garder le masque. Mais garder le masque et d'écouter de magnifiques chant de Noël, ça n'a pas de prix, même si on porte un masque pendant 2 heures de temps. Et je peux vous dire que ça va être très beau. L'autre activité, bien entendu, c'est nos messes de Noël, qui sont le 24 décembre. La première à 17 h, la deuxième à 19 h, la troisième à 21 h 30 et la dernière, notre belle grande messe de minuit. 250 à chacune des messes, aucune réservation, nous ne prenons aucune réservation, premier arrivé, premier placé. Celle de 7 h, 9 h 30 et minuit, ce sera animé par les chorales avec le beau minuit chrétien et les beaux chants de Noël que vous entendrez. Et bien entendu, la semaine prochaine, on prépare notre magnifique crèche de Noël. On vous invite à venir vous recueillir chez nous. Combien y a-t-il de chanteurs dans la chorale? Dans la chorale, on est 35. C'est une première année où laquelle on a un petit peu plus de monde. Je pensais n'avoir perdu, étant donné que l'année passée, on n'a rien fait, bien entendu, que la pandémie. Mais non, je pense que Noël et la belle musique de Noël attirent et ça fait du bien. Et on a besoin, c'est ainsi, de se faire du bien. Donc, autant les chanter que les écouter, ça fait un bien énorme. Je vous remercie beaucoup de nous avoir exposé tous ces beaux événements-là qu'on va partager ici au Sanctuaire. On vous souhaite une très belle continuité avec la chorale et un très joyeux Noël. Merci, merci beaucoup à vous tous.